ça va les gens, comment allez-vous? Salut. Hey, what's up? ça va, tu vas bien? Moi j'étais vraiment très... Et puis toi, non, comme d'hab quoi. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le matériel pour la box médium. C'est ça. Effectivement, on a remarqué avec Kevin que répéter toujours la même chose dans les vidéos d'animation, c'était vraiment lourd pour vous. Oui, effectivement. Du coup, on a fait une vidéo dédiée et vous retrouverez toujours dans les commentaires cette vidéo sur chaque animation. Ok. Donc pour la canne, forcément, on va privilégier des puissances un petit peu plus grandes que pour la box ultra légère. Donc principalement, ça va être des M ou des MH, c'est souvent ce que vous avez marqué sur les cannes au niveau des puissances. Donc M pour medium, MH pour medium heavy. Exactement. Donc au niveau des puissances, là par exemple, on a une 5.18 de chez Savage Gear, donc c'est une medium. Donc tout ce qui est puissance 5.20, 5.21, 7.28 et jusqu'à 10.30 grammes. 10-40 grammes. Voilà, c'est ça. Vraiment, ce type de puissance-là, au niveau de la longueur, donc vraiment dans des longueurs passe-partout, donc dans les 2 mètres. Ouais. La plupart du temps, vous allez retrouver des cannes de 1m98, 2m10, 2m13, exactement, jusqu'à 2m20 si vous aimez les grandes cannes. Par exemple, moi je préfère les grandes cannes. Ouais. Et 1m80 si vous préférez des cannes plus courtes. Tout à fait. Ensuite, on va passer au niveau du moulinet. Donc là, ça va être relativement simple. La plupart du temps, ça va être des tailles 2500. De temps en temps, vous allez retrouver des tailles 3000 chez Shimano. Souvent, c'est juste la profondeur de la bobine qui change. Donc 2500 sera vraiment une très bonne taille. Au niveau du poids du moulinet, essayez de ne pas dépasser les 300-350 grammes pour ne pas avoir un ensemble trop lourd. Souvent, les moulinets vont faire entre 250 et 280 grammes. C'est ça. Et ensuite, il nous manque bien évidemment à mettre ce magnifique fil. Effectivement, là, pour moi, la tresse est primordiale pour ce type de combo. Effectivement, vous allez pouvoir choisir des tresses entre 10 jusqu'à 20 centièmes grand maximum si vous pêchez en 10-30 grammes ou 10-40 grammes. Au niveau du fluorocarbone, là vous devez vous adapter. Effectivement, la box médium, elle est censée être faite pour le cendre et le brochet. Effectivement, comme vous le savez, le brochet coupe les fluorocarbones. Carrément. Donc la petite astuce qu'on va vous donner, c'est tout simplement de créer un premier bas de ligne en 20 centièmes jusqu'à 30 centièmes et de faire un avançon d'environ 30 cm. C'est ça. D'un fluorocarbone beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. C'est-à-dire en 60 centièmes, 70 centièmes maximum. Ça. Vous allez me dire, ça va brider la nage. Effectivement, c'est le seul problème par rapport à ça. Mais justement, vous allez éviter les coupes des brochets. Donc c'est beaucoup mieux. Ouais, carrément. Voilà. Bah, Kevin, je pense que nous avons tout dit là-dessus. Vous avez toutes les informations. C'est ça. Pour pêcher en mémé. En mémé. En médium. Vous avez toutes les informations pour pêcher en médium. C'est vraiment cool. C'est ça. Merci, Kevin. Là-dessus, on se dit, bah écoutez, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Tchuss. Tchuss.